Aujourd'hui, je suis à Toulon et je fais découvrir cette ville. Bonne journée. Il se trouve que Jérôme et Aurélie, ceux qui m'hébergent, habitent en plein cœur de la vieille ville. J'arrive donc en plein marché, j'en profite et il ne reste qu'une petite heure pour m'acheter de quoi manger, c'est-à-dire de la salade de poule, des olives, de l'enchoyade et la fameuse cade. J'approche maintenant de la rade de Toulon, Toulon étant le plus grand port militaire. Malheureusement, les civils n'ont pas accès au port militaire et c'est donc que le port régulier que je peux vous montrer en images. Et bien que j'essaie de contourner la rade, malheureusement les gardes de sécurité m'en empêchent. C'est ici que je m'arrête pour manger. Il ne me reste qu'une petite heure pour visiter tout Toulon. Je fais donc de mon mieux, mais la seule balade le long de la rade m'a pris quand même 30 minutes. Voici le musée militaire et la porte. Et plusieurs militaires qui rentrent pour le week-end. Moi, je décide de re-rentrer dans la vieille ville avec ces petites rues que je trouve bien sympathiques et qui sont très animées le jour, quoique désertes la nuit, comme j'ai pu le constater hier. Il est maintenant temps de prendre mes affaires et de me rendre à la gare en direction de Marseille, plus précisément La Penne-sur-Huveaune. Et je suis chanceux, il y a une fête ce soir.